Les violences sexuelles ont lieu aussi en temps de paix. On sait que forcément, en situation de conflit armé ou dans une autre situation de violence, il y aura une tendance à l'augmentation des violences sexuelles. Dans les conflits armés et les autres situations de violence, les violences sexuelles sont vraiment absolument cachées parce que les victimes ressentent de la honte, ne vont pas venir parler de leurs problèmes et du coup les humanitaires ne peuvent pas le voir non plus. Un exemple récent que l'on a de la difficulté pour les victimes d'aller chercher des soins quand elles sont victimes de violences sexuelles a eu lieu en République centrafricaine. On a des femmes victimes qui sont venues visiter un hôpital où le CICR travaille parce qu'elles avaient des blessures et des soins à recevoir, mais quand on les a référées pour du dépistage de maladies sexuellement transmissibles, elles n'ont pas voulu aller à ce dépistage parce qu'elles n'avaient pas de bébé dans les bras, elles n'étaient pas enceintes et que par conséquent, si elles allaient se faire tester, c'était forcément le signe de violences sexuelles. Mi wakati nilibafikiaga nilikuwa nasikia haya na kuona sa vile make sa vile mtu mweko buchi mbarabara tu wakati mtu yuko buchi anaweza sikia tu haya na wakati mwenye haiko panako na alisha kutosha manguo si haya itakuwa tu sikukuaka kyangu kya ukisaidia juu hakuna balianziaka kwa masakoshi za watoto walikuwa wanabeba wakabanyanganya. Waza wanyanganya, wamenikata kamba yenye ilikuwa mkiuno, ilikuwa franga za watu za alikirimba $100. Wakanitia silaha hapa kushingo, ukikatala tunakuua. Basi, mwanadamu, na wakati naona chuma kia kukuua, nikakubali wakafaa kitendo yao kia wanataka. Kuko sa iko na ile sida. Les hommes réagissent en niant cette réalité. Ils disent que ce sont l'affaire des femmes, parce que c'est la femme elle-même qui s'est fait violer. C'est pour cela que nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol, c'est quoi. Et la femme puisse avoir un jour sa place d'être femme. Il faut partir du principe que les violences sexuelles sont présentes et proposer des réponses sans même attendre d'avoir l'information qui arrive.